Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre participation à cette nouvelle webconférence, webinaire que nous réalisons à deux voix avec Sabrina Douladosse, avocate associée au cabinet Froment-Briens, et moi-même, Yves Muchamblé, directeur du développement et du réseau au sein de l'AFDAS. Ce cycle de webconférence, donc on en est au troisième opus. Il y aura une quatrième webconférence qui sera organisée le 9 novembre prochain et qui aura pour sujet la négociation collective d'entreprise au soutien de la formation de reconversion des salariés. Pendant cette webconférence d'aujourd'hui, on va traiter de la question de la PROA, le dispositif reconversion et promotion par l'alternance. Dans le champ de l'AFDAS, comment ça fonctionne aujourd'hui, pour quelle branche et comment mettre en œuvre de manière pratique, ce dispositif. On est ensemble pour une heure. Cette webconférence est, comme d'habitude, enregistrée, donc vous pourrez accéder au replay une fois la webconférence terminée. Vous serez également invité à participer à un sondage pour vous exprimer sur comment vous avez perçu cette webconférence et si elle vous a été utile et pratique. Vous pouvez poser vos questions dans le fil de conversation. Et à la fin de notre intervention, on reprendra vos questions et on apportera les réponses nécessaires. Alors, quelques mots, excusez-moi, je suis allé trop vite. Quelques mots sur ce que nous allons voir ensemble pendant cette heure. Donc, présentation succincte du cabinet Froment-Briens et de l'AFDAS, se reparler du contexte et des enjeux que nous avons en présence, le dispositif en lui-même PROA, comment il fonctionne, les branches qui sont concernées, et nous aborderons également donc les questions de financement. Alors, quelques mots sur l'AFDAS. Donc, l'AFDAS, qui nous sommes aujourd'hui, donc c'est 44 branches professionnelles qui sont au sein de notre opérateur de compétences pour les secteurs de la culture, les industries créatives, les médias, la communication, les télécommunications, le sport, le tourisme, les loisirs et enfin le divertissement. C'est environ 63 000 entreprises, dont une écrasante majorité, près de 98%, emploie de moins de 50 salariés. L'AFDAS aujourd'hui est implanté sur l'ensemble du territoire, 22 implantations territoriales et bientôt une 23e, puisque début décembre, nous ouvrirons notre bureau à Nice, donc qui sera notre 23e implantation. Et donc, les personnes qui sont sur ce territoire-là pourront bénéficier de la proximité de ce bureau. Et donc, l'ensemble des conseillers emploi-formation sont à votre disposition, bien entendu, pour apporter toute précision utile sur vos projets emploi-formation et vous accompagner dans la mise en œuvre de ces projets depuis la construction du projet jusqu'à son financement. En quelques mots, l'offre de services de l'AFDAS s'appuie sur quatre piliers. Le premier pilier, c'est vous accompagner en tant que responsable d'entreprise sur toute votre politique alternance. Et donc, depuis l'explication et la prise en main, on va dire, de ce dispositif, jusqu'aux modalités pratiques de mise en œuvre, jusqu'au choix de la bonne solution, à la fois en termes de dispositif et à la fois en termes de formation en tant que telle. L'accompagnement des collaborateurs sur le plan de développement des compétences, bien entendu, le financement des formations que vous nous présentez, ainsi que le suivi de ces actions de formation. Et enfin, le quatrième grand pilier étant vous accompagner sur des projets RH sur mesure. Et donc, nous avons une équipe d'experts au sein de l'AFDAS qui peuvent venir vous apporter leurs connaissances et vous accompagner dans ces constructions de projets spécifiques que vous pourriez avoir à nous présenter. Sabrina, je te laisse présenter le cabinet Froment-Briens et te présenter plus précisément. Merci Yves. Bonjour à tous et à toutes. Donc, le cabinet Froment-Briens, c'est un cabinet d'avocats qui dédie son activité au droit social. Et dans ce cadre-là, moi, j'ai développé une expertise en droit de la formation professionnelle.
avec une autre associée d'ailleurs qui également dédie son activité sur ce périmètre-là. Et donc, on a effectivement vocation à accompagner, on va dire, l'écosystème de la formation professionnelle, aussi bien les entreprises, les branches professionnelles, mais aussi les acteurs que sont les organismes de formation, les écoles et les financeurs. En quelques mots, sur notre activité. Alors, évidemment, c'est une dominante juridique qui est étroitement liée, évidemment, au droit social de façon plus globale, puisque d'ailleurs, c'est une partie qui est intégrée dans le Code du travail, mais c'est une discipline juridique qui appelle aussi d'autres composantes, et notamment des aspects de droit fiscal, de droit des associations, etc. Donc, c'est un univers en soi. Très bien. Se rappeler quelques éléments de contexte. Qu'est-ce qui a initié ce cycle de webconférence avec Sabrina Douglados du cabinet Fromont-Briens. C'est finalement le contexte que nous rencontrons, que vous rencontrez aujourd'hui avec la situation qu'on a connue, le Covid-19 et la sortie de cette crise sanitaire de grande ampleur. Et avec quelques éléments, quelques grandes lignes que nous avons pu repérer, à savoir des changements dans les organisations, dans les entreprises, à savoir des activités qui ont pu être externalisées tout au long de la vie de l'entreprise et qui ont été réinternalisées ou internalisées tout court suite à cet épisode de crise sanitaire et crise économique qu'on a connu. Et donc, comment je transfère cette activité en interne, comment je la reprends en main en interne. Aussi, ce qu'on a pu observer, c'est des activités de diversification, développement de nouveaux marchés, investissement dans de nouveaux outils, en particulier sur le champ du numérique. Et puis, en parallèle de ça, tout ce qui est transition numérique et écologique, qui est une lame de fond et qui vient compléter, on va dire, tous ces chamboulements, d'une certaine manière, que connaissent ces entreprises. Donc, tous ces chamboulements, ça nécessite finalement qu'on se pose plus longuement sur ces questions de formation des salariés, parce que ça génère aussi des besoins de reconversion professionnelle en interne de l'entreprise ou en externe de l'entreprise. On a eu l'occasion, lors de précédentes webconférences, de regarder les questions de reconversion professionnelle en extérieur. Là, avec la ProA, on est plutôt dans une logique, finalement, d'évolution à l'intérieur de la structure et comment, en tant qu'employeur, on peut mobiliser ce dispositif pour gérer ces évolutions. Alors, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet, sur le dispositif de la ProA. Je te donne la main. Oui, je te remercie. Alors, c'est vrai que... C'est quand même on a quand même observé quelque chose qui est tout à fait inédit, c'est que, si vous voulez, avec la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018, qui a eu notamment pour objet de recentrer l'intégralité des fonds mutualisés, donc des contributions légales des employeurs, principalement sur la formation des demandeurs d'emploi, l'apprentissage et, on va dire, dans une moindre mesure, le CPF. Les parents pauvres de cette réforme, c'était les dispositifs qui, par essence, étaient des dispositifs de reconversion professionnelle. Je veux parler du CIF, du congé individuel de formation qui a été renommé, transformé sous le nouvel intitulé des projets de transition professionnelle. Donc, concrètement, là, c'est un dispositif qui a été, on va dire, financièrement, en tout cas, moins bien doté, clairement, et en tout cas, on n'a pas cherché à valoriser davantage ce dispositif-là. Et puis, au passage, en supprimant la période de professionnalisation, qui était clairement à l'époque un dispositif à destination des employeurs pour leur permettre un peu d'optimiser leur budget de formation, très clairement. Et en supprimant la période de professionnalisation et en la remplaçant par la ProA, ce dispositif-là, qui par définition s'intitule « Reconversion et promotion en alternance », on est par définition sur un dispositif de reconversion professionnelle. Mais c'est un dispositif qui, si je puis dire, a été mal né. Il n'est pas mort-né, mais enfin, il a été mal né. Il a été mal né pourquoi ? Parce qu'à l'époque, au moment de la publication de la loi Avenir professionnel, concrètement, le gouvernement, enfin le ministère du Travail, n'en voulait pas vraiment de ce dispositif-là. Il est venu remplacer la période de pro à la demande insistante des partenaires sociaux. Donc, il y a eu là des parties prenantes qui sont montées au créneau pour faire en sorte que la période de pro soit remplacée par quelque chose d'autre.
et donc cette quelque chose d'autre a donné naissance à la proa, qui est un dispositif, on va le voir, hein, qui est soumis à des conditions relativement restrictives, pas simple nécessairement à mettre en œuvre, qui en tout état de cause nécessite la négociation d'un accord collectif de branche soumis à l'extension de la DGT. Tout ça pour vous dire qu'on a eu dès le départ un dispositif qui a été conçu de façon relativement restrictive et financièrement, certes, il était raisonnablement doté, on va dire, conçu comme un dispositif de formation en alternance, donc finançable par l'AFDAS au même titre, on va dire, et en tout cas dans la même section financière que les contrats de pro, les contrats d'apprentissage, mais ça a été vraiment un dispositif pensé un peu, comment dirais-je, de façon subsidiaire, l'essentiel étant en 2018 de financer avant tout et principalement l'apprentissage et dans une moindre mesure les contrats de pro. Donc, et là où je vous dis que c'est vrai que c'est finalement un peu un pied de nez qui a été, qu'on observe là finalement, parce qu'évidemment avec la crise sanitaire, l'État s'est retrouvé dans la situation effectivement de devoir à tout prix essayer de dégager et d'identifier des dispositifs efficients qui permettent effectivement d'accompagner la reconversion professionnelle. Et donc, raison pour laquelle, d'ailleurs, dans le cadre du plan de relance, des fonds exceptionnels ont été débloqués sur les fonds du FNE pour essayer, évidemment, d'accompagner massivement les reconversions professionnelles, d'où le dispositif transition collective, des fonds complémentaires affectés notamment à la PROA, mais aussi au projet de transition professionnelle. Donc, on voit bien, la PROA est un dispositif qui, plus que jamais, est tout à fait d'actualité et qui, pour autant, n'est pas si simple que cela à mettre en œuvre. Alors, quand on regarde précisément dans le code du travail comment a été conçu le dispositif, c'est un dispositif qui est réservé à des salariés qui sont déjà présents dans vos effectifs et pas n'importe lesquels, ce sont des salariés en CDI, uniquement en CDI, et l'objectif est de permettre aux salariés de pouvoir potentiellement changer de métier ou de profession, donc là on est vraiment dans un objectif de reconversion professionnelle, ou de bénéficier d'une promotion sociale. Une promotion sociale, on est dans cette idée d'évolution de parcours au sein de l'entreprise. Les catégories de salariés qui sont éligibles sont bien donc ceux qui sont en CDI. De façon dérogatoire, on a également les sportifs et les entraîneurs professionnels en CDD qui sont également éligibles à ce dispositif-là, et aussi les salariés qui sont placés en position d'activité partielle. Donc concrètement, les CDD de droit commun ne sont pas éligibles, ne sont pas concernés par la PROA. On a une deuxième condition qui est évidemment, elle aussi, très restrictive et qui n'existait pas du temps de la période de professionnalisation, c'est un capage au regard du niveau de qualification détenu par le salarié avant de rentrer dans le processus de formation. On exige que les salariés aient un niveau de qualification qui correspond maximum à un niveau Bac plus 2. Donc, maximum Bac plus 2, ça veut dire qu'il doit être inférieur au niveau du grade de licence et donc ça correspond à un niveau inférieur au niveau 5 dans la nouvelle nomenclature du RNCP. Donc, on est clairement là sur une volonté forte de réserver ce dispositif finançable par l'AFDAS en faveur de salariés, on va dire, plus fragilisés, un peu moins qualifiés, peu importe le niveau de la certification visée dans le cadre de la PROA. Ça, c'est important de préciser parce qu'il y a eu des tergiversations et plusieurs versions d'ailleurs à l'origine dans le cadre du projet de loi. Donc finalement, on pourrait tout à fait envisager qu'un salarié d'un niveau Bac plus 2 prépare, par exemple, dans le cadre d'une VAE, une certification professionnelle de niveau Bac plus 4 ou Bac plus 5. D'accord, il n'y a pas de corrélation et il n'y a pas de plafonnement ou de capage au regard du niveau de la certification préparée. En revanche, ce qu'on va regarder, ce qu'on va vérifier, c'est bien le niveau de qualification détenu par le salarié avant de démarrer sa formation dans le cadre du droit. Alors, s'agissant des formations éligibles, celles qui sont éligibles à un dispositif de PROA, ce sont celles qui préparent à une certification inscrite au RNCP. Alors, ça peut être une formation ou une action d'ailleurs de validation des acquis d'expérience. Donc, formation ou VAE préparant nécessairement à une certification inscrite au RNCP. Et la condition est un peu plus précise que cela. Non seulement il faut que la certification soit inscrite au RNCP, mais encore faut-il que cette certification figure également dans une liste déterminée, définie par un accord collectif de travail négocié au niveau de la branche professionnelle dont relève le salarié.
Et cet accord collectif de branche doit avoir été étendu par la DGT, par le ministère du Travail. L'extension par le ministère du Travail a notamment pour objectif, et c'est ce que précise la loi, pour objectif de vérifier que les certifications énumérées dans l'accord répondent bien à des critères de forte mutation d'activité ou de risque d'obsolescence des compétences. Donc, autant vous dire qu'il y a eu un gros travail qui a été fait au niveau de chaque branche professionnelle concernée qui ont négocié des accords pour effectivement, concrètement, vérifier, justifier d'abord de cette liste des certifications professionnelles et justifier les raisons pour lesquelles ces certifications en question permettent bien de potentiellement répondre à un besoin de forte mutation des activités identifiées dans le périmètre ou d'un risque d'obsolescence des compétences. Voilà, donc on le voit bien, ce sont quand même des conditions qui sont relativement restrictives et d'ailleurs une restriction naturelle qui est liée à la temporalité. Il y a un effet de temporalité évident. Au moment évidemment où la loi a été publiée, c'est par la suite de cette loi du 5 septembre 2018 qu'une ordonnance dite coquille est venue ajouter cette condition supplémentaire. Donc entre-temps, je vous la fais rapide, mais il y a certains accords de branche qui avaient été conclus, dont on avait demandé l'extension, qui ont dû revoir leur copie, puisque entre-temps, l'ordonnance coquille est venue ajouter cette nouvelle condition liée à l'extension de l'accord de branche. Donc, certaines branches professionnelles ont dû revoir leur copie, sont retournées à la négo, puis ont sollicité l'extension. Et tout ceci, évidemment, il y a un effet de temporalité qui fait que la PROA est restée un dispositif au départ non financé pendant plusieurs mois. Une autre typologie d'actions qui sont éligibles à la PROA, même si elles ne figurent pas d'ailleurs et indépendamment du fait de figurer dans un accord de branche, ce sont les formations qui préparent au socle de connaissances et de compétences. Donc là, je vise les certificats CLEA et CLEA numérique qui sont finalement éligibles de plein droit à la PROA sans qu'il soit besoin de figurer dans l'accord de branche. Dernière précision qui n'est quand même pas neutre. Les entreprises qui ne relèvent d'aucun accord de branche, et il y en a quand même un certain nombre en France, eh bien, n'ont pas accès à la PROA. Les salariés de ces entreprises-là n'ont pas accès à la PROA. Alors, mis à part, effectivement, la petite dérogation autour de Cléa, mais on est vraiment sur, finalement, un dispositif qui est réservé à des entreprises couvertes par un accord de branche. Alors, justement, peut-être... Alors, un mot peut-être sur, d'ailleurs, les conditions de mise en œuvre au regard des formations éligibles. Oui, du coup, Sabrina, je te propose peut-être de présenter cette partie. Donc, on garde l'esprit finalement de l'alternance dans ce dispositif. Et vous allez voir que ce qui existe et ce que vous pouvez connaître au niveau du contrat de professionnalisation, dans la façon de dispenser la formation, le dispositif PROA s'en est très fortement inspiré et il y a énormément de choses finalement qui sont calquées sur ce qui a été mis en œuvre pour les contrats de professionnalisation. Du coup, quand nous sommes dans une situation d'action de formation, donc je mets de côté les actions de VAE dans ce cadre-là, les actions de formation doivent prévoir des enseignements généraux, professionnels, technologiques, soit dans des organismes de formation en tant que tels, soit ça peut être réalisé au sein de l'entreprise, quand elle dispose d'un service de formation interne, au sens où le prévoit le code du travail, bien entendu. Donc ça, c'est rigoureusement la même chose que nous retrouvons sur le contrat de professionnalisation, et donc en alternance, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice, cette fois-ci dans l'entreprise, des activités professionnelles qui sont en relation avec la formation, qu'elle soit théorique, dont les enseignements généraux, professionnels et technologiques dont on vient de parler. Donc on est bien dans cette logique, comme pour un contrat de professionnalisation, où je vais alterner des situations où je vais être en situation de formation et des situations où je suis en emploi, l'un devant nourrir l'autre de manière continue, et ce tout au long du parcours de formation. Le parcours de formation, c'est là aussi, finalement, on est vraiment très proche dans la façon de le mettre en œuvre que ce que nous connaissons sur le contrat de professionnalisation, à savoir une durée de l'action qui est comprise entre 6 et 12 mois. Donc ça, c'est ce qui est prévu par la loi. Et ça peut être prolongé. Et là, il faut se référer aux accords de branche pour voir dans quel contexte, si ça a été prévu, et dans quel contexte ça a été prévu. Et il peut y avoir des allongements jusqu'à 24, voire 36 mois dans certains cas de figure. Mais là, il faut se référer à l'accord de branche PROA pour voir dans quel contexte cela peut se mettre en place.
Et puis, de manière tout à fait linéaire avec le contrat de professionnalisation, la durée de formation, elle doit être comprise entre 15 et 25% de la durée totale de l'emploi de la personne, et avec un minimum, un plancher à 150 heures. On peut également dépasser les 25%, donc on ne peut pas être en dessous de 15%, on ne peut pas être en dessous de 150 heures, ça ce sont des planchers incontournables. Par contre, dans certains cas, on pourra aller au-delà de 25%, et là, c'est ce qui est prévu dans les accords de branche. Donc là, il faut regarder l'accord de branche pour voir si vous êtes concerné par cette possibilité d'aller au-delà de ces 25%. Donc la loi prévoit 6-12 mois en termes de plancher et plafond en termes de durée. La loi prévoit 15 à 25%, minimum 150 heures. Et tout ce qui va aller au-delà, c'est l'accord de branche qui nous dira si on peut le faire et dans quelles conditions on peut le faire. Comme dans un contrat de professionnalisation, et c'est là où on voit vraiment que l'inspiration est directe entre contrat pro et pro A, dans le cas de la pro A, il y a la désignation d'un tuteur de manière obligatoire, qui est donc un salarié d'entreprise, donc qui va accompagner le bénéficiaire tout au long de son parcours et qui va aussi être en interaction avec le centre de formation quand c'est un organisme de formation externe ou si c'est dispensé au sein de l'entreprise par un service de formation interne qui va être en relation avec l'équipe pédagogique pour voir comment les choses se passent. L'idée étant toujours de pouvoir finalement ajuster quand c'est possible le déroulement de la partie en entreprise avec ce qui est vu en formation. Plus on sera en proximité, plus ce sera efficace. Le tuteur, il a idéalement pour vocation d'accompagner la personne tout au long de son parcours, aussi sur les apprentissages, pour lui faciliter la vie, pour lui expliquer comment les choses fonctionnent. C'est, en quelque sorte, c'est un facilitateur. Ce tuteur doit être volontaire. Là, on est comme dans le contrat de professionnalisation. Excusez-moi, je reviens en arrière. Et il doit justifier d'au moins 2 ans dans une qualification en lien avec ce qui est prévu dans le cadre de la proie. Donc là aussi, c'est les mêmes sujets que nous voyons sur le contrat de professionnalisation. Oui, tout à fait. Alors, en termes de formalisme, un point important, il faut pouvoir formaliser un avenant au contrat de travail. Et cet avenant au contrat de travail devra être transmis à l'AFDAS. L'avenant, il a pour objet de préciser l'objet et la durée de l'action de professionnalisation. Et c'est bien la transmission de ce document qui va pouvoir déclencher la demande de prise en charge par l'entreprise, sachant que l'AFDAS, dans ce cadre-là, à l'instar finalement des contrats de pro et des contrats d'apprentissage, on est exactement sur le même processus. Il a un rôle de financeur, mais avant d'avoir un rôle de financeur, il a un rôle de régulateur. C'est-à-dire que c'est lui qui va se charger de vérifier la conformité de l'avenant au moment de la réception du document. Et à ce titre-là, contrôle de conformité va après assurer le dépôt de cet avenant auprès de l'administration via une plateforme dématérialisée. Donc, en pratique, on a un modèle d'avenant aujourd'hui qui a été récemment publié par le ministère du Travail, qui prend la forme d'un formulaire CERFA. Ce n'est pas un document obligatoire. Vous pouvez tout à fait établir aussi un avenant qui ne soit pas nécessairement formalisé dans le cadre de ce formulaire-là. Évidemment, ça a le mérite de la simplicité, on va dire de l'uniformité. Et c'est un formulaire, effectivement, à compléter en 3 exemplaires, puisqu'on a potentiellement 3 parties prenantes, l'employeur, le salarié et l'AFDAS. Et il convient de le retourner dans les 5 jours qui suivent le début de l'action. Donc, c'est très exactement, finalement, la même temporalité que la transmission des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation. Alors, sur la réalisation, un point important, réalisation des modalités de réalisation de cette formation pendant le temps de travail. Le principe, c'est que ce sont des... Je vais revenir un petit peu en arrière. Désolé, Sabrina. Oui. Mais la souris est trop sensible et du coup, ça me fait changer les slides involontairement. Oui. C'est bon, là, ça, on l'avait vu. Ça, on l'a vu aussi, tout va bien. Ouais, exactement. Voilà. Là. Juste un point là-dessus. Rapidement, ce qu'on n'a pas évoqué, je me remets dessus. Le temps de travail, le principe, c'est que la proa, elle est réalisée. Attends, ouais. Reviens là. Juste les slides sur le temps de travail parce qu'on ne l'a pas commenté. Pardon, excuse-moi. Là, on est bon, bouge plus. Non, c'est celle d'après. Voilà. Celle-ci. Sur le temps de travail,
Le principe, c'est qu'on a bien un maintien de la rémunération du salarié quand les exactions de formation sont réalisées pendant le temps de travail. Le cas échéant, si elles sont réalisées en dehors du temps de travail, c'est possible, auquel cas elles ne donnent pas lieu évidemment à un maintien de salaire, mais pas davantage lieu non plus au versement de l'allocation de formation, qui était une indemnisation, vous vous souvenez peut-être, qui existait auparavant, notamment pour toutes les formations qui étaient réalisées hors temps de travail, que ce soit dans le cadre du plan de formation ou dans le cadre du DIF d'ailleurs, ou de la période de pro également. Donc ça, c'est quelque chose qui a été supprimé par les deux dernières réformes. Donc désormais, si la formation se tient en dehors du temps de travail, il n'y a pas de maintien de la rémunération du salarié, mais c'est une possibilité évidemment que de pouvoir suivre ces formations en dehors du temps de travail, auquel cas, il faut évidemment recueillir l'accord du salarié, parce qu'on ne peut pas imposer à un salarié de suivre sa formation en dehors du temps de travail. Et dans tous les cas, on a un plafonnement du nombre d'heures suivies en dehors du temps de travail à raison de 80 heures par an et 30 heures pardon, par an et par salarié. Voilà. 80 heures, c'était l'ancien référentiel avant la loi Avenir professionnel. Dernière chose, dans tous les cas, qu'on soit pendant ou hors temps de travail, on a bien évidemment un maintien de la protection sociale du salarié, c'est-à-dire que s'il lui arrive un accident, il bénéficie évidemment d'une couverture AT-MP. Voilà. J'essaye de maîtriser la souris, mais elle est très sensible, donc dès que je la touche un peu, elle bouge, donc j'essaye de ne pas trop la toucher. Et en plus, je ne t'aide pas parce qu'on est à quatre mains. quelques mots sur les accords de branche qui sont aujourd'hui étendus dans le champ d'AFDAS. Nous en avons cinq. Donc, le premier, historiquement, chronologiquement, qui a été étendu, celui de la presse magazine. Nous avons celui des télécommunications, celui pour la branche des espaces de loisirs, d'attractions et culturelles, les organismes de tourisme et le golf. Nous en avons deux qui sont signés et qui sont en phase d'extension, en voie d'extension, qui sont analysés par la DGT, comme tu le précisais tout à l'heure, Sabrina. Il s'agit de la proie dans le secteur du sport et dans le secteur du portage de presse. On attend, on espère, courant novembre, avoir les extensions. Donc, nous pourrons analyser du coup ce qui a été produit par la DGT. Est-ce qu'ils sont étendus de manière totale, ou est-ce qu'il y a des extensions, une extension partielle? Donc là, il y aura une analyse qui sera faite une fois qu'on aura ce retour, et nous pourrons communiquer sur ce sujet auprès des entreprises concernées sur ben, finalement voilà comment l'accord PROA dans ces deux branches se met en œuvre. Je vais te redonner la main, Sabrina, pour parler cette fois-ci de la notion d'accord de branche étendue, parce que c'est une notion importante dans le cadre de PROA. Oui, c'est même essentiel parce que il faut pas se tromper, c'est-à-dire que quand vous vous référez à l'accord de branche sur la proie, il faut vraiment le lire très étroitement avec son arrêté d'extension. Soit vous avez concrètement un mode d'emploi, un mode opératoire qui vous a été fourni par votre branche professionnelle, soit vous voulez vérifier une disposition dans l'accord de branche, auquel cas vous vous référez au texte de l'accord, mais il faut pas oublier de jeter un œil à l'arrêté ministériel qui a porté extension de l'accord. Pourquoi ? Parce qu'au moment de l'extension, et c'est l'objet hein, même d'un arrêté d'extension, c'est de faire en sorte que l'accord collectif négocié au niveau de la branche soit applicable et donc opposable à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ, du périmètre professionnel de l'accord, même si certaines entreprises n'ont pas nécessairement adhéré à l'une des organisations patronales signataires de l'accord. Ça, c'est l'objet même de l'effet juridique d'une extension. Au moment de l'extension, l'administration peut formuler des réserves ou des exclusions. Et du coup, j'en profite pour vous rappeler la différence juridique, mais rapide, hein, entre une réserve et une exclusion, parce que c'est important, ça peut produire des effets incidents, des effets de bord, si j'ose dire, sur justement la portée des certifications qui figuraient sur votre liste de branches. Concrètement, quand on a une réserve qui est formulée dans l'accord, dans l'arrêté d'extension, eh bien, l'administration du travail n'écarte pas la clause conventionnelle concernée, mais attire l'attention des entreprises et des parties signataires, considérant que la clause n'est pas suffisamment précise ou qu'elle est incomplète. Et donc, on a des formules types de l'administration du travail qui consistent à dire l'article 2 de l'accord, etc., est étendu sous réserve du respect de l'article temps du Code du travail. Ça signifie là concrètement que l'article en question de l'accord n'est pas du tout annulé,
il est considéré comme juridiquement valable par l'administration du travail. En revanche, l'administration du travail renvoie à certaines dispositions législatives ou réglementaires du Code du travail, considérant que l'article n'est pas suffisamment précis, présente une certaine ambiguïté qui pourrait laisser entendre que dans la mise en œuvre du dispositif, peut-être que l'entreprise ne respecterait pas telle ou telle condition législative ou réglementaire. Voilà. Donc, je vous ai pris un exemple là, de l'avenant effectivement numéro 30 du 17 décembre 2020 dans la branche des organismes du tourisme. On a des stipulations qui sont relatives aux tuteurs qui ont été étendues sous réserve des dispositions réglementaires qui fixent les conditions d'accès à la fonction de tuteur. Et donc, ça suppose bien qu'il faut effectivement veiller à ce que ces conditions-là soient bien réunies lorsqu'on désigne un tuteur. L'exclusion, elle, évidemment, n'a pas du tout la même portée. Elle est beaucoup plus, évidemment, décisive. Quand on a une clause qui est frappée d'exclusion, ça signifie que la clause est considérée comme illégale et qu'à ce titre-là, elle n'est pas opposable, a fortiori, aux entreprises qui relèvent du périmètre de l'accord. Donc, la clause est considérée comme inapplicable par l'administration du travail. Un exemple que l'on retrouve assez fréquemment désormais dans les accords de branche qui portent sur la PROA, en tout ou partie, c'est le cas des certifications qui peuvent être exclues de l'accord de branche, exclues parce que, par exemple, la certification n'est plus ou n'est pas enregistrée au RNCP. Et donc, effectivement, on considère que dès lors que la certification n'est pas inscrite au RNCP, par définition, elle n'est pas accessible, elle n'est pas éligible à la PROA. D'ailleurs, le point qui est ici, là, la clause de la surlation de PROA dans l'accord PRESMAG, c'est un élément qui avait été évoqué initialement, à savoir qu'une personne pouvait accéder à la PROA si on envisageait pour elle une certification avec un niveau de qualification supérieur ou identique à celui qu'elle détenait au moment où elle déposait la demande, ou au moment où la demande était déposée. Ça, c'était prévu dans la loi initialement. Ça a été assez largement commenté, expliqué, etc. Puis au final, on s'aperçoit qu'on est revenu en arrière et que cette nécessité n'est plus là. Et donc, notamment dans l'accord PRESMAG, comme je disais tout à l'heure, c'est celui qui a été signé, en tout cas dans le périmètre de l'AFDAS en premier. Donc, ils étaient restés dans cette logique-là. Et du coup, ça a été exclu, puisque entre le moment où ils ont travaillé l'accord et le moment où celui-ci était en étude. Oui, à l'extension. Effectivement, il y a l'ordonnance coquille qui est passée par là, effectivement, qui date de 2019. Et effectivement, entre-temps, cette première vague d'accords collectifs qui avaient été préalablement négociés et portés à l'extension, entre guillemets, se sont fait malheureusement retoquer. Et là, ils se sont fait un peu piéger, si j'ose dire, parce qu'entre-temps, évidemment, le corpus juridique avait évolué, on va dire, avait été quand même sensiblement modifié. Du coup, c'est quand même une information importante et qui ne touche pas que cet accord Presse Magazine, puisque, in fine, toute la communication qui a été faite dans un premier temps sur la PROA, donc cette nécessité de monter, ou tout au moins d'avoir un niveau équivalent à celui de départ, n'existe plus aujourd'hui. Et c'est forcément, comme ça a été largement communiqué, ça fait partie des rectificatifs qu'il faut apporter pour que chacun, chaque entreprise et chaque salarié sache bien qu'aujourd'hui, cette condition n'existe plus. Je vous propose peut-être qu'on regarde quelques éléments saillants sur les accords de branche étendus actuellement dans le champ d'AFDAS. Alors, donc évidemment, on ne va pas les regarder dans le détail, hein, ça nous prendrait beaucoup trop de temps et ce serait fastidieux. Pour autant, ce qu'on a essayé de faire avec Sabrina, c'est faire ressortir quelques éléments saillants de ces accords. Donc, si on regarde celui pour la presse magazine, on voit qu'il y a une priorité qui a été donnée aux formations qui visent les salariés, soit qui occupent les métiers sensibles, soit qui permettent d'acquérir les compétences en lien avec les métiers émergents. Donc, dans cette branche professionnelle, les partenaires sociaux se sont mis d'accord sur deux listes, une sur les métiers sensibles d'un côté et l'autre sur les métiers émergents. Donc, quand le salarié est concerné soit par métier sensible, parce que c'est le poste qu'il occupe aujourd'hui, soit parce qu'il envisage d'aller sur un métier émergent, dans ce cas-là, il y aura une priorité d'accès à la PROA pour ces publics-là. Alors, là aussi, sans lister toutes les certifications qui sont prévues dans les accords de branche,
mais peut-être quand même pour donner à voir sur l'accord de branche Presmag. Alors, c'est un choix unipersonnel, hein, n'y voyez pas une vision quelconque, mais on va retrouver des certifications comme journaliste multimédia. On va retrouver des certifications comme expert digital. Quand on parle de métier émergent, on voit que expert digital ou journaliste multimédia, on est dans cette logique-là. Et on a également des certifications qui sont plus à vocation transversale. Typiquement, pour donner un exemple là aussi, responsable de gestion des ressources humaines, on est sur une logique tout à fait transversale. Si on s'intéresse à l'accord de branche pour les télécoms, là aussi quelques éléments saillants, on voit que l'avenant doit préciser des éléments complémentaires par rapport à ce qui est prévu par la loi, par le cadre réglementaire, et donc notamment d'aller notifier les fonctions pouvant être occupées en référence à la grille de classification de la convention collective. Donc évidemment, sous réserve de l'obtention de la certification pendant le temps de la proie. Là, on a aussi, dans le cadre de l'accord de branche télécom, on a une possibilité d'aller au-delà de 12 mois et on voit qu'on peut porter l'action de formation sur 24 mois quand la durée de la formation le nécessite. Et la prise en charge, elle a été définie de manière forfaitaire pour la branche télécom à 20 euros de l'heure. On reviendra d'ailleurs dessus sur les montants de financement qui s'opèrent sur l'ensemble du champ de l'AFDAS. Là aussi, pour donner à voir, mais vraiment, c'est un choix tout à fait arbitraire et c'est uniquement pour illustrer, sur l'accord de branche télécom, on a des certifications comme administrateur système réseau, comme technicien de réseau de télécommunications, expert en projet digital. Et là aussi, on a du transversal et sur la filière commerciale, nous avons par exemple le chargé de clientèle. La branche du golf, donc elle a aussi son extension. Et pour redonner quelques éléments sur quelques certifications existantes dans l'accord de branche, on a le BPGEPS et les formations, les certifications qui suivent, hein, DEGEPS et le DESGEPS sur éducateur sportif avec la mention golf. Et puis, pour illustrer sur un champ plus transversal, on a le titre pro de chargé d'accueil, touristes et loisirs. Si on regarde maintenant la branche des organismes de tourisme, là aussi, possibilité d'avoir une durée de formation qui excède 12 mois et qui va jusqu'à 24 mois. Et ce que nous dit l'accord de branche pour tous les salariés qui disposent d'une ancienneté supérieure ou égale à 3 ans et également en lien avec certaines qualifications. Même exercice, histoire d'illustrer en quoi les certifications prévues dans l'accord de branche étendue peuvent vous concerner. Dans la branche des OT, on va avoir le titre pro d'animateur loisirs tourisme, on va avoir le BTS tourisme, on va avoir une licence professionnelle tourisme et loisirs. Donc, encore une fois, sans vouloir tout lister, mais ça permet de voir finalement comment tout ça peut exister, ça peut vivre. Dernier accord de branche étendu à date, au moment où on se parle, la branche des espaces de loisirs, d'attractions et culturelles. Donc là, quelques éléments saillants. L'organisation des actions de proie prioritairement sur le temps de travail effectif. Donc, comme le disait tout à l'heure Sabrina, le cadre réglementaire prévoit soit sur le temps de travail, soit en dehors du temps de travail, la volonté des partenaires sociaux étant de privilégier les actions de formation, les actions de proie sur le temps de travail effectif. Une possibilité d'allonger, là aussi à 24 mois. Quelques éléments complémentaires sur le tuteur, où les partenaires sociaux ont souhaité s'assurer que le tuteur avait toutes les conditions pour pouvoir réaliser sa mission dans de bonnes conditions, et donc notamment bénéficier d'une préparation à cette fonction de tuteur, soit en passant par une formation en tant que telle, tout au moins par un acte réalisé par l'employeur qui va l'aider à prendre en main cette fonction de tuteur. Et la CPNEF, donc la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation, a prévu de déterminer les taux de prise en charge engagés dans le cadre de la proie. Donc c'est soit le conseil d'administration de l'AFDAS par défaut ou la CPNE qui détermineront les taux de prise en charge.
Même exercice et sans prendre trop de temps sur ce sujet, mais vraiment pour donner à voir quelques exemples de certification. Dans la branche des loisirs et culture, on a par exemple l'employé de restauration, on va avoir le CQP pour les parcs acrobatiques en hauteur, on va avoir le titre pro de guide accompagnateur touristique. On voit qu'on a à la fois des certifications spécifiquement métiers, spécifiquement branches, mais on a aussi tout un volet de certifications qui sont transversales et qui permettent du coup aux salariés et à leurs employeurs d'imaginer ces passerelles en interne et donc d'utiliser la proie pour accompagner les salariés qui sont sur ces enjeux d'évolution dans leur carrière. Se parler maintenant pour vous aider sur la prise en main, l'appropriation de ce dispositif. Les services de l'AFDAS ont réalisé un guide qui s'appelle Les Essentiels, qui est accessible directement sur le site web www.afdas.com. Donc, un guide dédié à la proa. Ce guide, vous y retrouverez toutes les informations utiles et pratiques pour pouvoir mettre en œuvre la proa au sein de votre entreprise et bien retrouver les éléments nécessaires. Comme c'est un sujet vivant, la proa, puisque déjà il y a les accords de branche qui au fur et à mesure sont étendus et donc il y a des évolutions qui apparaissent, ce guide évoluera au fur et à mesure du temps pour s'ajuster à l'actualité. Je vous propose de se parler des conditions de financement. Donc le cadre juridique qui s'applique, c'est donc un cadre minimal qui nous permet en tant qu'OPCO d'intervenir sur le financement de ces actions de formation. Donc, c'est financé sur la section alternance, c'est-à-dire que dans la comptabilité de l'OPCO, c'est financé au même titre que les contrats de professionnalisation, que les contrats d'apprentissage, etc. Donc, c'est sur ce budget-là que c'est financé. Ce que prévoit la loi, c'est à défaut de décision particulière prise par la branche ou par le conseil d'administration de l'OPCO, le plancher et le niveau de prise en charge, c'est 9,15 € de l'heure. La rémunération du salarié dans le cadre de la proie peut être prise en charge dans les limites du SPIC dans un premier temps et si elle a été prévue dans l'accord de branche. Donc là aussi, il faudra se référer à l'accord de branche pour voir ce qui est notifié sur cette question, pour voir si la rémunération est possible, en sachant que en tout état de cause, nous avons des conditions maximales de financement qui nous sont présentées par France Compétences avec un plafond à 3000 euros par action. Donc il y a le taux horaire qui s'applique heure par heure de formation et nous avons le plafond au global qui nous dit jusqu'à quel niveau nous pouvons financer les actions proa. Donc en temps ordinaire, c'est le plafond de 3000 euros qui s'applique, c'est celui qui a été défini par France Compétences. Si dans le cadre du plan de relance, l'action couvre une des trois thématiques, transition écologique, souveraineté économique et indépendance technologique, on y trouve derrière essentiellement tout ce qui va être lié au digital, au numérique. Ou alors, si on touche les sujets de la relance sociale et territoriale, qu'est-ce qu'on y trouve derrière? On va plutôt y trouver ce qui est en lien avec les mutations économiques. Et donc, quand l'action de formation PROA touche une de ces trois thématiques-là, le plafond de 3 000 euros, il est provisoirement, pendant le temps du plan de relance, il est provisoirement rehaussé à 9 000 euros. Du coup, ça nous amène quand même à regarder le sujet de manière importante parce que 9 000 euros, ce sont des montants assez conséquents et qui nous permettent d'être ambitieux dans cette politique proa. Si on regarde ce qui a été défini par le conseil d'administration en termes de taux horaire, je vous ai dit tout à l'heure, ce que prévoit la loi, c'est à défaut de décision par la branche ou par le conseil d'administration de l'OPCO, c'est 9,15 euros. On a vu qu'il y avait deux plafonds, un à 3 000, tout type de certification prévu dans l'accord de branche étendu, 9 000 euros si la certification vise une des trois thématiques en lien avec le plan de relance, en sachant que ça, c'est de manière provisoire, ça s'inscrit dans le cadre du plan de relance. Donc ces 9,15 euros, en fait, on va les remplacer par d'autres taux horaires quand cela a été défini par le CA de l'AFDAS, et donc ce sont
les taux que vous avez devant vous sur l'écran, à savoir quand nous visons des diplômes de type RNCP, diplômes nationaux, en fonction du niveau de formation visé, on va entre 15 euros pour les niveaux les plus élevés jusqu'à 9,15 euros quand on va toucher des niveaux 5 ou infra et que nous sommes sur des formations qui visent des métiers transverses ou support. Avec deux situations intermédiaires, niveau 6, donc c'est la licence pro, bac plus 3, bac plus 4, on sera sur 14 euros. Et quand on est sur les niveaux 5 ou infra 5, cœur de métier, on sera sur 13 euros. Quand nous ne visons pas des titres RNCP, diplômes nationaux classiques, mais que nous sommes sur des logiques de type CQP, nous sommes sur des niveaux soit à 15 euros de l'heure, quand c'est les CQP des branches concernées. Si ce sont des CQP d'autres branches, nous sommes sur une prise en charge à hauteur de 12 euros. Et nous avons une notification sur le registre spécifique à hauteur de 13 euros. Quelques éléments complémentaires sur ces prises en charge. Tout à l'heure, je vous disais que l'accord dans les télécoms a prévu un taux particulier. Donc, c'est 20 euros pour la branche des télécoms et ce, dans la limite de 3 000 euros. Quand nous sommes avec un public en situation de handicap, la prise en charge est majorée à hauteur de 20 euros, là aussi toujours dans ce plafond de 3 000 euros. Quand nous avons une action de validation des acquis de l'expérience, donc qui vise une des certifications prévues dans l'accord de branche étendue, donc là, on regarde le devis que présente la structure qui accompagne le salarié. Et là aussi, on est dans le plafond de 3 000 euros. Tous ces plafonds de 3 000 euros, à chaque fois, dès qu'on va toucher une certification inscrite dans le cadre du plan de relance, on le remplace par 9 000 euros. Nous sommes arrivés au terme de cette présentation. Nous allons regarder les questions que vous avez pu nous poser. Alors, que comprend ce plafond de 3 000 euros ? En fait, ça comprend l'ensemble des coûts éligibles à la PROA, donc le coût pédagogique. Ça peut comprendre des frais de transport et d'hébergement s'il y en a. Donc là, c'est sur analyse de la situation particulière du projet qui nous est présenté. Et ça peut comprendre la rémunération quand c'est prévu par l'accord de branche. Je vous rappelle que la rémunération, c'est suspendu à le fait que l'accord de branche le prévoit d'une part. Et après, c'est dans la limite où les 3 000 euros ou les 9 000, quand il s'agit d'actions sur le plan de relance, ben, nous permettent de financer. Donc, dans l'ordre coût pédagogique, éventuellement frais de transport et frais d'hébergement. Et si, en fait, on n'a pas encore atteint le plafond de financement, on va regarder si la rémunération peut être prise en charge et déjà si elle est prévue dans l'accord de branche qui vous concerne. Alors, on a une question, si la prise en charge n'est pas suffisante dans le cadre de PROA, est-ce que nous pouvons compléter avec d'autres dispositifs ? Alors, on peut prévoir de compléter avec d'autres dispositifs de type plan, le plan légal, hein, le plan de développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés, ou encore, si, et là, il faut se référer aux conditions du plan conventionnel, mais s'il existe un plan conventionnel dans votre branche, eh bien, on va regarder si l'action que vous nous présentez correspond aux priorités du plan conventionnel. Et si c'est le cas, le plan conventionnel pourrait venir en complément de ce financement PROA. In fine, évidemment, il y a toujours le plan volontaire hein, qui peut parachever toute analyse financière et donc toute prise en charge. Il y a une question sur la compatibilité PROA CPF. Alors, je me tourne vers toi, Sabrina, parce que j'ai un doute sur ce sujet. Est-ce qu'on peut compléter ? Pour moi, non, mais je préfère te... Compliqué, parce que de toute façon, au vu des conditions de mobilisation du CPF, où globalement, tout passe par la plateforme, on est sur un prix, entre guillemets, unique, nécessairement financé par la CDC. Je ne vois pas bien comment on pourrait avoir une complémentarité de financement. Mais en fait, ma réponse d'un point de vue juridique, c'est... En fait, moi, j'ai pas de fondement légal pour dire que ce n'est pas possible, mais la technique me laisse à dire que ça me paraît quand même très compliqué d'articuler un financement PROA et CPF.
on sera plutôt dans une logique de regarder si il y a un reste à charge sur la proie, auquel cas les autres dispositifs peuvent mobiliser, hein, le plan légal et ou le plan conventionnel. Quels sont les éléments restants à prendre en charge? Est-ce que ça entre dans les possibilités de financement de ces dispositifs-là et auquel cas ils viendront compléter? Donc ça sera de toute façon à chaque fois une analyse au cas par cas par rapport aux projets qui nous seront soumis et en fonction des modalités de financement qu'on aura à ce moment-là. On a également une question, n'est-il pas plus intéressant de faire finalement un contrat d'alternance, contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage? Bon, ça, c'est une question intéressante, effectivement. Là, c'est intéressant parce que, effectivement, les dispositifs pédagogiques, en tout cas, sur les modalités de mise en œuvre de la formation, sont évidemment tout à fait similaires. On l'a vu sous un certain nombre d'aspects. Finalement, la proie est calquée sur le contrat de professionnalisation en termes de répartition des parties théoriques et pratiques et modalités de réalisation de la période de formation théorique, on va dire, par le stagiaire. En réalité, la question ne se pose pas tout à fait de la façon suivante, c'est-à-dire qu'il serait envisageable de finalement proposer aux salariés en CDI déjà dans l'entreprise un contrat d'apprentissage, contrairement au contrat de pro qui est lui vraiment un dispositif réservé au recrutement de jeunes ou de demandeurs d'emploi. C'est vrai que l'apprentissage, ça peut être une alternative à la proie possible. Pourquoi? Parce qu'on a une disposition qui est d'ailleurs ancestrale dans le Code du travail et qui prévoit que les salariés qui sont déjà dans les effectifs en CDI peuvent suspendre leur contrat de travail pour conclure un contrat d'apprentissage, leur permettant de se former effectivement sur une qualification évidemment qu'ils ne détiennent pas encore et qui leur permettent donc quelque part de faire de la mobilité interne, parce que la logique, c'est pas forcément de quitter l'entreprise, mais c'est pouvoir de changer de métier dans l'entreprise. Donc, le contrat d'apprentissage peut être une alternative à la proie pour des salariés qui sont en CDI chez vous. Attention toutefois, il y a quand même un sujet autour de l'âge. Et alors, c'est un sujet qui est d'ailleurs, c'est un débat juridique qui est ouvert. Pourquoi? Parce que les dispositions du Code du travail, évidemment, qui sont relatives à cette possibilité de pouvoir suspendre le CDI pour conclure un contrat d'apprentissage, renvoient sur les conditions, on va dire, de droit commun de l'apprentissage pour les modalités de mise en œuvre. Et donc, on a notamment une limite d'âge qui est désormais portée à 29 ans révolus. Donc, il y a quand même une question autour de l'âge du salarié. Est-ce qu'il est éligible à pouvoir suspendre son contrat pour signer un contrat d'apprentissage plutôt qu'une proie au regard de son âge limite? Et là-dessus, je fais une rapide aparté, mais de façon assez intéressante, on a un accord de branche dans un autre secteur d'activité au moment de son extension qui a été étendu avec une réserve fort intéressante de la DGT qui considère, elle, que la limite d'âge des 29 ans ne s'applique pas. Au cas du salarié en CDI qui suspend son contrat pour signer un contrat d'apprentissage. Alors ça, je vous avoue que c'est une pépite, on a regardé ça avec des grands yeux. Bon, je ne suis pas tout à fait certaine de l'assise juridique de cette position d'administration, mais je trouve ça intéressant quand même de le soulever. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a quand même un sujet. Si votre salarié chez vous, dans vos effectifs, en tout cas, il a moins de 30 ans, il n'y a pas de difficulté, il pourra effectivement, vous pourrez lui proposer de signer un contrat d'apprentissage plutôt que de l'embarquer dans un dispositif de proa qui, de toute façon, suppose la signature d'un avenant contrat de travail. Après, il y a un sujet autour, évidemment, de la négociation autour de la rémunération, puisque dans le cadre de l'apprentissage, il y aura une suspension de son contrat. Donc, pendant la période de formation par apprentissage, effectivement, il y aura peut-être une discussion autour de sa rémunération. Donc là, c'est un sujet de négociation, évidemment. En pratique, les entreprises, en général, s'alignent hein, pour faire en sorte que le salaire de la personne soit maintenu ISO et ne soit pas, évidemment, diminué. Voilà, mais mis à part ce point-là, effectivement, il est possible effectivement, de proposer un contrat d'apprentissage plutôt qu'une proa aux salariés concernés, dans une logique de reconversion professionnelle, mobilité interne. Hein. Ah, c'est ce qui supposera pour le contrat d'apprentissage d'avoir un CFA, une formation qui soit éligible à l'apprentissage. Donc, ça va être sur la question apprentissage. De toute façon, à chaque fois, il faudra regarder lequel est le plus intéressant, est-ce qu'on peut en bénéficier et aussi c'est. Si la possibilité existe, ben lequel est le plus intéressant. Sur la bascule contrat pro versus proa, ça existe moins, puisque comme l'évoquait Sabrina, le contrat pro s'adresse à des nouveaux entrants dans l'entreprise, et la proa, elle, s'adresse à des salariés déjà en poste dans l'entreprise. Donc, le fait qu'on ne s'adresse pas au même public fait que la comparaison ne peut pas exister entre les deux. Une dernière question
qui est lié à ce contrat d'apprentissage, si on embauche, finalement, si on bénéficie de cette possibilité de suspendre le contrat de travail, si je comprends bien la question, hein, on suspend le contrat de travail et on signe un contrat d'apprentissage, est-ce qu'on peut bénéficier de l'aide exceptionnelle ? Donc ça, on l'avait évoqué, Sabrina, lors de notre webconf du mois de juillet, donc c'est tout à fait possible. Même si c'est tout à fait possible, parce que de mon point de vue, je pense qu'il y a un petit trou dans la raquette, si j'ose dire. C'est-à-dire que le point n'a pas été vu et donc précisé dans les textes. Donc, il n'y a pas d'exclusion de principe, même si par la philosophie de l'aide exceptionnelle, c'est évidemment encourager et aider les entreprises dans une logique d'embauche. Alors, me direz-vous là, on peut aussi se dire qu'on vous encourage dans une logique de reconversion professionnelle au sein de votre entreprise. Donc, c'est tout aussi vertueux. Enfin, ce n'était pas la philosophie initiale de ces aides exceptionnelles. Alors, on a une dernière question et qui renvoie finalement aussi au contrat d'apprentissage. Qu'entendez-vous par suspension de contrat et comment l'appliquer ? Je ne sais pas si Sabrina, tu veux apporter quelques précisions ? Oui, tout à fait. En fait, concrètement, votre salarié il est déjà chez vous dans vos effectifs, il est sous CDI. Donc, si vous lui proposez de suivre la formation dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, vous allez suspendre son CDI classique de droit commun et vous allez signer avec lui un contrat d'apprentissage. Donc, vous signez un nouveau contrat au moyen du formulaire CERFA approprié ou sinon sur papier libre, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le CERFA, mais concrètement, vous allez utiliser le CERFA et donc vous allez signer un deuxième contrat de travail. Donc, c'est ce deuxième contrat de travail qui va régir votre relation salariée pendant toute la durée de la formation, ce qui veut dire que le premier contrat en CDI est suspendu et donc on a ce deuxième contrat qui vient s'intercaler dans votre relation de travail là et qui va donc s'appliquer pendant toute la durée de sa formation. Donc, je vous le disais, il y a un petit sujet sur la rémunération parce que bien évidemment, la règle de principe, c'est de lui appliquer évidemment les salaires minimums conventionnels ou légaux en référence qui sont indexés hein, sur un pourcentage du SMIC ou du SMC en fonction en fonction des cas de figure, de l'âge du salarié et de son niveau de progression dans la formation. Donc ça, c'est ce que nous dit la loi. Quand évidemment, on est en suspension de contrat et qu'on a un salarié qui est déjà dans vos effectifs depuis peut-être plusieurs années, il est évident qu'il peut être délicat de lui expliquer qu'il va régresser en termes de rémunération pendant la durée de sa formation. Donc ça peut être un point de négociation. En pratique, moi, les quelques cas de figure que j'ai eu l'occasion de traiter, les employeurs s'alignaient assez volontiers pour évidemment maintenir le salaire de la personne concernée pendant la durée de sa formation. Voilà. Évidemment, à l'issue de son... Donc, c'est un mécanisme de suspension, entre guillemets, automatique. À l'issue de sa formation, le contrat d'apprentissage prend fin de façon, entre guillemets, automatique. Et c'est donc le contrat de travail qui reprend ses droits, le contrat de travail de droit commun, qui se poursuit à nouveau. Voilà. Très bien, merci Sabrina. Alors nous arrivons au terme de cette webconférence. Je vous rappelle que vous avez donc l'enquête de satisfaction qui vous sera adressée dans la foulée de cette webconférence. Et vous rappelez également que nous aurons une prochaine webconférence qui aura lieu le 9 novembre à 14h. Dont le thème sera la négociation collective d'entreprise au soutien des formations de reconversion des salariés. Les invitations formellement vont partir, je pense, dans quelques jours, donc vous aurez possibilité de vous inscrire pour cette quatrième et dernière webconférence pour ce cycle que nous co-organisons avec le cabinet Fromont-Briens. Pour rappel, nos adresses web respectives, donc www.fromont-briens.com et pour l'AFDAS, je ne sais pas si vous la connaissez, www.afdas.com. Il me reste à vous remercier pour votre participation, pour votre interaction, vos questions sur le sujet. Merci à toi Sabrina pour ta... Avec plaisir. Dans tes propos. Avec grand plaisir. À très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Oui, au revoir. À très bientôt. Au revoir.